ou qui vous intéressez à votre pays, qui avez besoin de faire des affaires pour votre pays, vous avez encore plus de difficultés que les diplomates. Parce que c'est un Congo-Swiss Business Day, donc il y a les deux pays qu'il faut mettre en valeur. Donc on a pu réunir beaucoup de chefs d'entreprise de la RDC, mais aussi des membres de la diaspora qui sont dans le secteur privé pour échanger, notamment sur le climat des affaires, mais surtout aussi sur les opportunités qu'on a pour investir au Congo. Et pour ça, on a eu beaucoup de témoignages de différentes entreprises congolaises. Et je pense que c'est les meilleurs exemples, les meilleurs ambassadeurs pour démontrer le potentiel de ce pays, mais aussi qu'est-ce qu'il faut faire carrément, littéralement, sur les faits pour réussir dans le secteur privé en RDC. À Berne, s'est tenue la 4e édition du Congo Swiss Business Day. Deux journées consacrées à la réflexion sur le climat des affaires en vue de développer les relations économiques entre la Suisse et la RD Congo. Cet événement contribue de manière significative à l'épanouissement des entrepreneurs congolais et au dynamisme économique de la RD Congo. Présidé par Émile Osumba, la Chambre de commerce suisse RD Congo organise chaque année le Swiss Congo Business Day, qui est une occasion unique de catalyser le potentiel commercial, économique et entrepreneurial en RD Congo et consolider les relations économiques avec la Suisse. Contrairement à la règle de l'alternance, aucune réunion ne s'est jamais tenue en Suisse à cause de la Covid-19. En application de cette règle, la capitale helvétique a reçu pour la toute première fois cette rencontre cette année, en présence des ambassadeurs suisses et congolais. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, des partenaires, des pays partenaires. Et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivi chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe leurs représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, monsieur Onema. Bravo.
Alors, j'ai fait un incident diplomatique. Je voudrais juste qu'on félicite également, qu'on remercie les deux ambassadeurs. Je pense d'abord l'ambassadeur de la RDC en Suisse, parce qu'il a joué un rôle considérable dans la mise en place de ces assises. Il devait organiser une journée économique et il a ajusté son programme pour qu'on puisse organiser le Swiss Business Day. Donc je pense que, je ne vois pas, si on peut vraiment l'applaudir, il saura qu'on l'a applaudi. Et on a la présence de notre ambassadeur à Genève. On a un ambassadeur, l'ambassadeur Mpolé, qui est notre représentant à Genève, que je voudrais également saluer, qu'on peut applaudir. Avoir le soutien de la Chambre par les institutionnels, c'est très important, parce que ça n'a pas l'air d'être quelque chose d'improvisé, et ça donne de la substance à ce qu'on fait. Sans plus tarder, on va accueillir le panel suivant, qui a comme thématique le financement, l'entrepreneuriat et le secteur des PME. Pour ce panel, je vais inviter la responsable de Kivuit. Je vais inviter l'Arobank, M. Étienne, puisqu'on va parler également de l'aspect financement. Et on aura Maître Condé qui nous éclaircira sur la sécurité juridique. Donc voilà, et la modération de ce panel sera faite par Madame Brigitte. Je pense que je passe le relais.